On va jouer au Rat Star, les amis. Jingle et je vous explique ce que c'est. Concrètement, le Rat Star, c'est très très simple. Alors ça va jouer en plusieurs manches. Donc là, vous êtes quatre à jouer. On va commencer par une première manche où vous allez avoir, donc du coup, chacun votre tour, 30 secondes pour pouvoir reconnaître un maximum de stars, Fabrice. Avec physionomie, c'est la question. C'est ce qu'on va chercher ici, pouvoir reconnaître. Ça peut être des athlètes, ça peut être justement des chanteurs, etc. C'est intergénérationnel. Il n'y a pas Guy Georges. Il y a un peu de tout. Première phase, vous êtes donc juste face à l'écran, 30 secondes. Si jamais vous ne connaissez pas, vous dites passe, bien évidemment. Un point par bosse réponse. Pas. Hein? On bosse pas. On bosse pas. C'est pour la phase d'après. C'était histoire de les sortir. Comme ça. Quelqu'un veut commencer ou pas? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Simon, t'as peut-être déjà joué. Est-ce que Simon? Je sais plus. Je crois que t'avais déjà joué. Allez, c'est Simon. On va commencer avec. On va commencer avec Simon. 30 secondes. Donc, comme ça, tout le monde va pouvoir comprendre un peu justement le principe du jeu. Allez, 3, ça peut être minable. 2, 1, c'est parti. 30 secondes. Mylène Farmer. C'est bon. Général de Gaulle. Je sais plus son blaze. Lee, le mec de Marvel, pas Bruce Lee mais l'autre, je sais pas. Ça passe. Un français sûrement, je sais pas. Bowser. Jean-Paul Rouve. Zendaya. Jeanne d'Arc. Hamza. Ça enchaîne. Le mec de Question pour un jeu, je sais plus. Ça passe. Je sais pas. Mickey Rourke. Non, pas du tout. Le prince William. Je sais pas. Moi je vais être nul. Ah là là, Henri Lecomte. Tu l'avais ou pas? Mais je ne connais pas la France. Non mais Henri Lecomte, il fait. Qui est cet homme? C'est le tennis des années 80. Ouais. Le tennis des années 80. Je n'étais pas né, je ne suis pas sportif. Une très bonne vanne d'Henri Lecomte. Une fois, il se fait éclater à Roland Garros, je crois, à la fin de l'interview. Il dit: je pense que le public a pas compris mon jeu. J'ai trouvé ça. Attends, c'était lequel? On peut montrer la photo du mec parce que je sais même pas de qui vous parlez. Henri Lecomte. Henri Lecomte. Je ne suis pas sportif. Je crois que c'était Coupe Davis qu'il avait gagné. Oui, oui, tu vois qui est Yannick Noah. Oui, bah, le pied. Alors c'est le rival de Yannick Noah à l'époque, ouais, en termes de jeu. Hein. Et puis après, ils ont gagné la Coupe Davis ensemble. Mais. Eh, hey, il y a du tennis là-dessous, là. J'ai joué au tennis pas mal, ouais. Bah, Nogent-sur-Marne, papa médecin, maman prof, tennis. Il y a du revers à deux. Eh oui, évidemment, là, tennis. Là, ça va chercher. Il y a du 15-4, hein. Eh, bah, comme Fabrice, mais je sais pas, on est tout pareil, tout pareil. Denzel Washington, que t'as pas eu. C'est ça, ouais. Stanley, Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, Julien Lepers, oui. Michael Douglas. Je sais pas qui c'est. Ah, si, Michael Douglas. On est quand même sur pas mal de points. Tu dis Michael Douglas. Bon. Ouais, toi aussi, t'as bugué. Michael Douglas. C'est mieux que rien dire, enfin, je sais pas. Mais décidément, je me fais allumer. J'aime beaucoup ton rôle ici, juste là. Les tontons flingueurs là-bas. Tu reviendras et Bacry. C'est vrai que Michael Douglas, il était beau, j'étais en train d'essayer de compter les points. Non, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il ne sait pas du tout qui c'est, en fait. Michael Douglas. Il ne sait pas, il dit Michael Douglas. Le connaît pas lui-même. Mais je regarde dans les films. Mais t'as pas trouvé Michael Douglas? Non. Bah, un film où il a été Douglas. Michael Douglas. Basique Instinct. Michael Douglas. Ouais. Basique Instinct. Oh, voilà. Oui, ouais, voilà. C'était un peu facile. Qui veut enchaîner? Vous avez tout passé. Moi, c'est terrible. Je suis pas chaude parce que quand je suis stressé, mon cerveau freeze complètement. C'est vrai. Mais tu pourras dire je passe. Souffle-moi. J'ai combien, Clément? De quoi, Thomas, tu vas enchaîner. On se fera un point classement juste après. Okay, 30 secondes, Thomas, t'as compris. T'hésites pas à dire pas si jamais tu l'as pas. 3, 2, 1, c'est parti. T'inquiète. C'est Julien Doré. Oui. Il est bon. C'est Florence Foresti. C'est trop facile. C'est Tom Cruise. C'est Tobey Maguire. J'ai pas, passe. Ah ouais. C'est Jennifer Lawrence. C'est Neo Eswan. Ça compte pour deux. C'est Michel Sardou. Ah, il est bon. C'est Jarry. C'est un pilote, mais je l'ai pas. Je passe. C'est Eddie Murphy. Enchaîne. C'est Foucault. Oui. C'est Pink. Oui. Non, mais frère. C'est, c'est le président de Renault qui est. Sur le gong, la mallette, tout ça. Carlos Ghosn. Voilà, ça passera pas. Il y avait Fabio Quartararo. Ah, Quartararo. Ouais. Le pilote et Justin Trudeau. Il était bon. Super bon. J'ai taffé avant. Mais là, t'as bien géré. Ça me dérange, c'est qu'à mon avis, il y a des petits arrangements. Mais c'est parce que moi, je les vois tous. Non, mais j'ai révisé des visages au hasard. Je n'ai pas le nom qui vient. Vous en faites pas, il y a trois phases, quoi qu'il arrive. Donc même si vous loupez sur celle-là, vous pourrez réussir après. Très mauvais perdant, ça suffit. Tu vas péter le bureau. Il va se lever de rage. Natou ou Fabrice? Ah bah c'est Natou, hein, moi. Allez, ça va être un désastre. Parce que là, vraiment, les visages défilés, je me disais, mais bien sûr. Mais bien sûr. Natou, dès qu'il y a compète, c'est stressant. Je suis comme toi, je reconnais, mais je n'ai pas le nom. C'est horrible. Mais là, ça va être lamentable ce qui va se passer. Vous allez voir, c'est tout le concept. Natou 3. 2, 1, on est parti, Natou. Tom Cruise. Ah, oui, attends, mais c'est les mêmes. Gims. Ouf. Lady Gaga. Putain, je sais plus son nom. Étienne. Passe. Patrick Timsit. Oui. Putain, Zerator. Ouais, c'est ça, okay. Je sais pas son blaze. Je sais même pas qui c'est. On passe. Nagui. Oui.
Natacha Saint-Pierre. Thierry Henry. Sur le gong. Non, Steve Jobs. C'était Steve Jobs. C'est lui. Mais on te compte, on te compte tout à l'heure, par contre, Étienne, parce que c'était Samuel Étienne. C'était Samuel Étienne, donc le nom de famille est bon. Moi, je lui ai droppé Monsieur Chibre, elle m'a dit aide-moi, j'ai vraiment tapoté le truc. C'était Sydney Sweeney. Mais oui, Euphoria. C'est fini déjà. Hein? T'as fini? Elle a fini, oui. Ouais, j'ai... C'était pas mal, moins que vous. Hein. Non, c'était plus que nous. Natou, c'était vraiment pas mal. Moi, j'ai une question. Neo et Swan, ça comptait pour deux? Neo et Swan, c'était. J'avais de la vie. Non, merci. C'était j'aurais dit oui. Comme c'est. Ça aurait pu. Fabrice, je sens que le stress monte un peu là. J'ai pas envie de jouer, mais vas-y. Oh là là. 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes, Fabrice. Teddy Riner. Oui. Danny Boone. Laurence Broccolini. Art. Oui. Passe, je vais pas retrouver. Einstein. La gaffe? Ouais. Passe. Jimo. Comment il s'appelle? Adèle Exarchopoulos. Oui. Francky Vincent. Passe. Michel Blanc. Michel Blanc sur le gong. Ouais, ouais. Tu l'avais juste avant ou pas? Ouais, Wayne Rooney. Exactement. Eh, pas mal. T'avais pas eu Meryl Streep? Il y a eu Florent Manodou. Meryl Streep. Que t'as pas eu. Et Wayne Rooney, mais. Je les ai. Après, tu dis, je vais passer trop de temps à les retrouver. Non, Meryl honnêtement, Streep, 30 secondes. Vous avez tous très bien géré. On va faire un petit point classement pour savoir où on en est. À l'issue de la. Mais non, je présente. Et oui, c'est tout le. Alors, non. Il faut que je mène. Ça y est, ça commence. Je vois pas comment je peux être deuxième. Est-ce qu'on peut remettre précisément ce que les gens ont trouvé? 11 points pour Thomas, 10 pour Fabrice, 9 pour Natou, 8 pour Simon. Modeste, je sais pas si vous vous en rendez compte. Non mais excusez-moi là, parce que moi, est-ce qu'on peut voir précisément, s'il vous plaît? Oui monsieur. Les trouvailles des uns et des autres. Mais je peux te les redire comme ça. Non, je veux que ce soit affiché. Pour moi, Thomas, il est assis à côté de toi, qui dit qu'il voit pas sur l'ordinateur, déjà il est avantagé. Surtout que est-ce qu'on peut revoir immédiatement à l'écran? Maintenant, les trouvailles de chacun. Mais tu voulais rentrer chez toi. Enfin, ouais, tu me mets la régie en galère, là. Là, c'est... La régie est en galère. Là, je panique. Et 10 points, c'est pas mal du tout. Hein. Je veux être premier. On pensait que t'allais t'effondrer. Oui, en plus, c'est ce que vous vouliez. Hein. Vous vouliez une colère en direct, vous ne l'aurez pas. Est-ce que la voix off peut me redire ce qui a été trouvé par Thomas et ce qui a été trouvé par moi-même? Julien Doré. Ouais. Tu le fais bien, je le fais. Comme tu veux. Je passe le micro à Justice, éventuellement. Il n'y a pas confiance totale de Monsieur Eboué Justice. Alors. Thomas De Sœur a trouvé Julien Doré, Florence Foresti, Tom Cruise, Tobey Maguire, Jennifer Lawrence. Tobey Maguire, il me semble pas. Je l'ai pas entendu. Merci Simon. Le chat Twitch confirme. Michel Sardou, Jarry, Eddie Murphy, Jean-Pierre Foucault et Pink. Ce qui fait donc 11 points. Vous avez vu les noms à trouver? Michel Sardou, Eddie Murphy et Pink. Qui ne trouve pas ça? Francky Vincent. La gaffe. Excuse-moi, Francky Vincent, il est super. La gaffe. La gaffe vieux. J'ai eu la gaffe vieux. J'ai pas eu la gaffe du Big Deal de la grande époque. Hein. J'ai eu la différentes versions de la gaffe. C'est vrai que t'as bugué, t'as fait. Voilà, c'est la gaffe prof de jet ski. Là. C'était la gaffe. Il est plus difficile potentiellement à trouver. Attention à ne pas contester, bien évidemment. Ça y est, c'est passé. 11, 10, 9, 8. Deuxième phase. Maintenant, il va falloir retenir, d'accord? Donc là, ça va vraiment être de la mémorisation. Vous allez avoir en face de vous 20 photos, ça va rester 20 secondes. Il va falloir en retenir le plus possible. Et ensuite, ça va être les enchères. Vous allez commencer donc avec Thomas qui va en citer un. Fabrice 1, Natou 1, etc. Si jamais vous n'avez plus d'inspi ou si jamais vous dites un nom qui a déjà été cité, vous êtes éliminé du round. Pour chaque nom que vous réussissez à citer, vous marquez un point. Donc 20 secondes, il faut être bien focus. Je rappelle quand même que dans ma tasse, ce n'est pas de l'eau. C'est pas une excuse, hein, mais voilà, je précise quand même aux spectateurs. Pour l'instant, voilà. Deuxième position, concentrez-vous bien sur l'écran, parce que les photos peuvent être un peu petites. 3, 2, 1. On est parti pour le trombinoscope. 20 secondes avec 20 photos. C'est l'enfer. Faut peut-être se concentrer sur des coins. Il y a quelqu'un qui parle par-dessus, en plus, c'est jamais vraiment un plaisir. Des têtes qu'on reconnaît plus ou moins, qui ont vieilli, hein, des... Peut-être des liftings, réussis ou ratés. C'est dur. Ça, c'est en fonction. Et c'est terminé. Vous êtes fous, enfin. Vous avez compris. Si vous en avez 4-5 déjà en tête, c'est plutôt bien. On va commencer tout de suite. Juste ici. Domingo. C'est un point, c'est marqué. Fabrice. JP Zadi. JP Zadi, c'est un point aussi. Natou. Dua Lipa. Dua Lipa. Marge Simpson. Marge Simpson, c'est bon. Léa Salamé. Léa Salamé, c'est validé. Mike Tyson. Mike Tyson, c'est validé aussi. Laurie Pester, je vais vite. Laurie Pester, c'est bon. Attends, c'est qui Laurie Pester? C'est Laurie. Ah voilà, parce que j'ai dit à la pierre. Montebourg, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, c'est bon aussi. On revient. Attends, je sais plus ce qui a été dit. Je sais plus ce qui a été dit.
Tout à fait. Aziz Ansari, c'est bon. Je m'effondre. Attends, Fabrice. Lance Armstrong. Lance Armstrong, c'est bon aussi. Il y a un très bon niveau ce soir. Natou. On l'a dit, Britney Spears. Lance Armstrong. Britney Spears, ça n'a pas été dit, c'est bon. Ah, Britney Spears. Neil Armstrong. Neil Armstrong, c'est bon aussi. Lance Armstrong. Il y a les deux, il y a les deux, il y a les deux, il y a les deux. Angel Di Maria. Angel Di Maria, le Andrel, il est là. Pas mal. François Civil. François Civil. François Civil, c'est bon. Natou. Comment? On a dû le dire, Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise, il n'y était pas. Tom Cruise, il n'y était pas. Natou éliminé, on continue. Salut avec ben Natou. J'ai pas son blaze, mais la chanteuse qui fait la sourde. Ouais, dans mais un c'est film. Pas le jeu qu'on te demande. 3, 2, 1. Laurine, un truc non, comme ça. Il voulait, Simon il voulait... éliminé, attends, Thomas. Il voulait dire Louane. Oui, c'est ça. Louane, 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 c'est validé. Ah non, alors non, mais. Tom. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous êtes en train de me dire. C'est le nom que j'avais déjà. C'est le nom que j'avais. Il en reste 4, il en reste 4. Est-ce qu'il te reste un nom ou pas? Putain de merde. Il n'y était pas. Je... Il est premier degré de fou. Non, mais non, mais j'avais Louane en plus. Fabrice, Simon est éliminé. Simon est éliminé. Ah, d'accord. Mais et Thomas. C'est un verre, c'est un verre. Il vient. Oui, mais il l'a dit avant, donc ça compte. Là, il a du temps, là, il gagne du temps. Non, je ne gagne pas du nom. J'ai bien sûr. 4, le politique là. 3. Je l'ai déjà dit, Montebourg. Denisot, Michel Denisot. Oh oui, Michel Denisot, oh, c'est pas vraiment. C'est pas terminé. Mais ça revient ici, ça revient je crois, ici. Je crois qu'on l'a dit, je vais être foutu, mais Marc Simpson, on l'a dit. Marc Simpson, c'est dit. Est-ce que t'en as un autre? Tu as gagné cette manche, j'ai gagné. Est-ce que t'en as un de plus ou pas? Je l'ai gagné. Non, on a dit. Oui, j'ai gagné le point bonus de la victoire marquée ici. Voilà pourquoi je suis dans cette émission. Non mais il vous restait, il y en avait 20 au total, vous avez été très bon. Il restait que Antoine Griezmann qui n'a pas été cité, ah ouais, Jim Carrey, Griezmann. Et Jim Carrey. Anne-Elisabeth Lemoine. Mike Tyson, ça a été dit par Fabrice. Tout le reste avait été dit. Non mais honnêtement, ce jeu on l'a fait quelques fois, c'est pour l'instant le meilleur niveau. Vous êtes exceptionnel. Je tiens à vous dire. C'est la peur de me faire buter. Non mais on va refaire cette manche avec 20 nouveaux visages, justement, exactement même concept. On commencera cette fois-ci par Natou. On est prêt? Oh, vous m'épuisez, non, mais là, je suis content, je soufflais. T'as pris des points, t'as pris des points, Fabrice. Ouais, mais là, c'est pas. Il y en a combien de manches encore? Après, il y a une dernière manche, c'est au buzzer. C'est. Mais. Mais il va se jeter dessus, hein. J'ai envie trop d'annoncer un truc à Fabrice, mais qui me paraît dur, mais c'est qu'on en a dit autant, du coup, sur la manche d'avant. Non, si, parce qu'il y a un point bonus de victoire. Okay, il y a le point bonus de l'invité. 3. Oui, parce que sinon, il me pète le plateau. Je mets des points bonus. 3, 2, 1, 20 visages. Concentrez-vous. Ah, une nouvelle fournée. Faut pas confondre avec la précédente. 20 nouvelles secondes. Et dans le chat, bien sûr, ça discute. Il a dit Di Maria, André Di Maria. On n'est pas la moitié, moi. C'était dit. 5 secondes. Oh là là. Aïe, 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 ouais, on sent qu'il y a un coup dur, il y a un ouais, coup dur. Pas... Même concept, même principe, Natou, on y retourne. Il faut rentrer dans sa bulle, Natou. Maxime Biaggi. Maxime Biaggi, c'est totalement bon, Natou, c'est super. Joyka. Joyka, c'est bon. Xavier Niel. Xavier Niel, c'est parfait. Fabrice. Adèle. Angèle, on va le compter. Jérôme Niel. Oh non, t'as vu ça. Jérôme Niel, c'est tout à fait bon. Non, ça me dépite. Bah, c'était celui que j'avais préparé si longtemps. 5. 6 nuls. 4. Attends, mais j'ai tout oublié. 2. 1. Simon. C'est fini. C'est terminé pour Simon, éliminé. Fred de C'est pas sorcier. Fred de C'est pas sorcier, il est très beau celui-là. Yannick Noah. Yannick Noah, il est dedans. Je sais pas si on l'a dit Ben Nevers. Merde. Ben Nevers, oh, il a pas vrai. Été dit. Ça revient ici. C'était le mien et du coup, je vais dire Jacques Guilénaud. Jacques Guilénaud. Jacques. C'est il est totalement là, il est totalement là. Chris Rock. Chris Rock, il est dedans aussi. Natou. On l'a dit Joyka. Joyka a été dit. Joyka a été dit. C'est rôle face à face entre les deux. Ça commence ici. Thomas. Même ordre. 5. Thomas contre Fabrice. Benzema. C'est vrai. Karim Benzema, c'est bon pour Karim Benzema. Ça revient sur Fabrice. Marina Foïs. Ah mais oui. C'est ça, Marina Foïs, c'est validé. 5. On repasse sur Thomas. 4. Trop de pression, c'est moi qui arbitre. 5. 4. Bah, juste pour le délire, je vais dire Sébastien Follin. Sébastien Follin qui n'est pas dedans. T'en avais d'autres. Là, tu peux scorer des points si tu veux, si t'en as plus. Attends, il m'en restait un. Putain. Est-ce que t'en as... Oli, oui, Oli. Big Flo et Oli. Oh, oui, il y avait. Oui, Oli. J'allais le retrouver en plus. C'est. Je l'avais. Un point bonus aussi. On avait qui? On avait Johnny Cash, on avait Pablo Picasso, oh, Dr. Oui. Dre. On en parlait tout à l'heure. Lynn Renault, Notorious Big. Comme la deuxième manche, c'est plus dur que la première. Bah, en fait, il y a des gens. Mélange les deux listes. Mais là, honnêtement, déjà, vous êtes costaud. Jésus, Philippe. Il y avait Jésus.
j'ai fait des bisous. Fabrice, t'en as dit un de moins que moi et t'as un point bonus, je crois. Non, non, là j'ai eu Marina Foy. Non, on est revenu pareil. De toute façon, on est hors game. Là, c'est un duel d'humorisme. J'aime la victoire. C'est pas perdu parce que la troisième manche, c'est deux points par bonne réponse. Ah ouais? Donc, et ça va être à la rapidité. Jésus. Donc là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un buzzer qui pète pas loin de moi, là. Parce que là, je peux vous dire. Tu devrais rapprocher ton buzzer, sinon il va t'exploser. Petit point classement? Ou est-ce que vous en êtes en termes de classement? On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de ça. Qu'est-ce que ça dit? 21 points pour Fabrice, 20 points pour Thomas, 15 points pour Natou, 12 points pour Simon. Tu demandes la VAR ou pas, là? Parce que. Non, ça va pour l'instant. Ça se passe bien. Alors. On va faire, donc là, attention, parce que c'est la toute dernière manche. Après c'est fini. C'est fini, après, il faut se barrer. Ça va être des mash-up. Donc, deux visages qui sont réunis sur la même photo. Vous allez buzzer, donc c'est à la rapidité. Hein. Donc, vous avez chacun votre buzzer devant vous. Ça se passe jamais bien quand même. Si jamais vous buzzez et que vous avez qu'un des deux visages, ou zéro sur les deux visages, c'est moins deux. Oh. Donc, attention, d'accord. Quand vous buzzez, il faut être sûr de soi. Si t'en as un sur deux, c'est moins un. C'est moins deux. Si t'as pas les deux, c'est moins deux. Dis-toi ça. Par contre, si vous avez les deux, c'est plus deux. Donc. Super dur. Du gros risque, mais du gros reward. C'est ça, si tu buzz au hasard et après tu... Voilà. Bah, tu perds moins deux. Si tu buzz au hasard, tu peux vite perdre moins deux. Là, vous affichez deux visages, faut buzzer. Exactement. Si tu les as pas, tu perds des points. Ouais, faut le temps de les reconnaître, quoi. C'est ça. Vous voulez qu'on fasse un test pour rien ou on commence direct avec on fait un test, parce que moi, je me méfie des buzzers. Un test à blanc. Un test à blanc, on commence. Premier par exemple, mash-up. Un visage en haut, un visage en bas. Ça aurait été ici, Fabrice. Estebej Broccolini. Voilà, c'est Broccolini. Broccolini, pardon. Broccolini. Alors, si on en est là maintenant sur les prononciations. Non, en fait, on a senti qu'il y avait un petit souci avec son blaze, parce que t'as l'air aussi que tu l'as cité. Ouais, mais il y a de l'aigreur. Tu as vu l'aigreur qui se dessine petit à petit? Mais j'en vois partout, Fabrice. Oui, j'en vois et là, partout. Et dès que t'es un petit peu en tête, alors tout de suite, faut aller taper sur les gens. T'aurais pu t'envoler, Fabrice. Malheureusement, ça comptait pas. Ah non, on a dit qu'on démarrait plus. Ah là là, reste là, on va commencer le vrai jeu désormais. J'ai un constat, PA, quand même, c'est que maintenant, il existe des IA qui mélangent les deux visages et c'est super marrant. Là, vous avez juste coupé la photo. Mais c'est ce que je me suis dit. Ouais. Vous avez tout donné sur les désolé en fait de continuer à faire travailler des vrais humains. Excusez-nous, mais bon, c'est pas grave. Non, mais il a raison, parce que je vais dans une émission un peu avant-gardiste et moderne. Bon, oui, bah voilà, vous détruisez des vies, des carrières, mais c'est super. Le en budget tout cas. Est passé dans la roue de la fortune. Continuez à promouvoir ça, c'est super en tout cas. Peut-être les IA qui écriront vos blagues. Ça, c'est un autre sujet. Allez, deuxième mash-up. 3, 2, 1, à la rapidité. Oh là-bas, c'est Simon. Docteur Granouna. Non. Oh, c'est moi deux. Ça c'est pas Docteur André Fabrice Eboué. Mais t'as le même pas de visage que Hanouna. Aïe. Quoi? Eh oui. Le même baba du visage que Hanouna. Vous l'avez compris, si jamais une mauvaise réponse, vous pouvez spam par la suite pour pouvoir. Bon, je suis un peu avantagé. Non, effectivement, ouais. Si on commence à mettre des images avec mon visage. Ouais, y avait là, j'avoue que c'est un que peu toi dans chaque image. On voulait que tu sois content. Voilà, c'est 2 points en plus, moins 2 pour Simon. Bah, moi, c'est pas fini. À coup de plus 2, Natou, tu peux revenir, etc. Tout le monde est encore dans la course. Troisième match-up, c'est parti. Moi, je pense que c'est foutu. Ouais, justifié. Johnny Hallyday, Elvis Presley. Johnny Elvis. Ouais, facile. Et là, c'est un Johnny tout. Old School aussi, hein, avec un Elvis de la grande époque. Plus 2 pour Thomas, vous avez compris. Au total, on en a 10, d'accord. On vient juste d'en faire 3. Ouais. Donc, il y a des points à aller chercher. Restez concentrés. Quatrième match-up, c'est parti. Oh. Bon, allez, genre, c'est quoi ça? Merci, au revoir. Celui-là. En bas, en haut, impossible. Oh. Moi, je dis que c'est Tex et c'est le mec de Camping Paradis en haut. Ah oui, mais on veut savoir. On veut le nom, moins 2. Ouais, ça marche pas. Moins 2, bêtement. Non, oui, parce que moi, c'est dommage. J'ai dit la meuf qui est muette dans un film, c'est pas passé. Elle s'appelle Laurent. Oui, et la première. Laurent Ournac, mais fallait dire Ournac. Tex, Laurent Ournac. Un point chacun. Je pense. On va faire. Okay. Monsieur Clément, à la régie, justement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que sur le plateau, j'ai besoin d'aide. J'ai demandé à l'huissier de justice à ma droite qui distribue un point à votre gauche, un point à votre droite. Ok. Oh là là. Non, mais donnez-lui les points. Est-ce qu'on peut dire que Thomas, ici présent, n'avait pas le nom de famille à trouver? Est-ce qu'il en avait un? Moi, je suis dans l'équipe de Fabrice. Est-ce que Simon n'a pas, juste le coup d'avant, perdu deux points sur le même cas de figure? C'est la seule question que je pose. Je suis d'accord avec Fabrice. C'est vrai que, monsieur Clément, si je peux me permettre, c'est une question légitime. Après, voilà, je ne sais pas ce qu'en dit l'huissier de justice juste à côté. J'imagine que nous reverrons ça un peu plus tard. L'huissier n'a pas de commentaire. L'huissier n'a pas de commentaire. Moi, je vous jure que contre toute attente, j'en ai rien à foutre. Non, mais on va se faire un 0 ici, plus 1 en faveur de Simon, parce que Simon avait perdu des points. Plus ça serait un 0. Il y a quand même eu Laurent. J'ai rien réclamé, mais je prends. Camping Paradis. On est parti sur le cinquième. Let's go.
Oh oui, ça va vite, oh, ça va vite. Non. J'ai Paul Mirabel et réponse. Mais Paul Mirabel et réponse, voilà, c'est des points. Le met pas sur Duolipa. Ah oui, d'accord. Faut direct avoir les doigts dessus, Natou. Faut... Directement, je pense, le bout des doigts. Le bout des doigts, on est un peu plus efficace. Oui, oui, ok, ok. C'est les conseils qu'on peut donner. Deux points en plus pour Thomas. Ça renvoie tout de suite. C'est parti. Oh, oui, Natou. Fred Testo et Eric Judor. Voilà les deux points. Natou qui rentre dans la course. On est parti. Il en reste plus que 4. Plus que 4. Donc il y a 8 points en total à gagner. Il peut y avoir des points négatifs aussi. Donc tout le monde peut prendre la première place. Il peut y avoir aussi des gens qui vont se retrouver un peu déçus en fin de soirée. Qui sait ? 3, 2. J'estime que c'est la déstabilisation vis-à-vis de moi. Mais bon, je le prends pour moi. C'est pas grave. C'est parti. Bah. C'est parti. Omar Sy plus est. Omar Sy et François Cluzet. Tout à fait. 2 points en plus pour Simon. Enfin, ça se réveille. C'est pas perdu. C'est pas terminé. On s'en renvoie un tout de suite. Oh, Fabrice Eboué. Mitterrand et Pompidou. Ouais. Non. Mitterrand et Georges Pompidou, putain, c'est validé. Bravo. Merci les gars, continuez à aller dans le passé comme ça. Alors je crois qu'on a perdu tous les 12-18, mais bravo. Ils sont tous passés, il en reste plus que deux. Plus que deux mash-up. Ah, est-ce qu'on peut avoir les scores précis que Non, à la toute fin. À la toute fin, comme ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas justement, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ou pas. Là, t'es dans l'inconnu total. Je te conseille de mettre la main sur le buzzer, Thomas. Je vois pas de main. Ça me fait chier de perdre son Pompidou. Je vois pas de main sur le buzzer. On est parti pour le nouveau mash-up. Oh, j'ai appuyé vite. C'est Tony Barker, Zidane. Oh là là, il a appuyé comme ça. Il regarde même pas. C'est le plus deux. Il regarde même plus. Le mien n'a pas marché. Il a appuyé et ça va être le dernier. Il y a combien? Peut-être à la rapidité. Le tout dernier, faut prendre les risques. Faut prendre des risques, je vous le conseille. 3, 2, 1, l'ultime. L'ultime, c'est France. Oh. Fabrice. C'est qui? Bah, c'est toi. Qui Ouais. Ah, c'est chiant, là, du coup. Cassel. Oui, et Cassel. 3, et en haut, c'est... 2, Putain, merde. Zéro, c'est terminé. C'est terminé pour Fabrice Eboué. Vincent Lindon et Cassel. Vincent Lindon et Cassel. C'est deux points. C'est deux points. Bon, félicitations. Cours, va-t'en, je vais me faire allumer, maintenant. Et Fabrice, tu peux nuire ma carrière ou pas? C'est fou, parce qu'on me dit qu'il y avait peut-être des égalités juste avant ce round, on ne sait pas, bien sûr. Lui qui m'a poussé à buzzer, il m'y faut buzzer quoi qu'il arrive, j'ai buzzé comme un con, et Vincent Lindon, que j'ai en plus, c'est ridicule, ça m'échappe parce qu'il me met une pression maximum, il y a peut-être des gens qui vont repartir déçus. Depuis le début, tu me mets une pression, c'est Fabrice, pas sympa. Fabrice, j'accepte de venir dans votre émission pour que vous fassiez 100 000 pour la première fois. et c'est comme ça que tu me remercies, et bah bravo. Fabrice, je retournerai chez Anne et pas chez vous. On ne connaît pas le classement, Fabrice, peut-être que. Non, je le sais très bien. Tu vas remporter. Alors, est-ce que. On va voir. Alors, mettons les classements. On va pouvoir afficher le classement pour savoir qui, dans ce Rad Star, s'est imposé. Un Rad Star, honnêtement, il y a eu du combat. 240 points, Fabrice. Fabrice, mais bravo. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très fort. Ouais, c'était une belle partie. Hein. Bravo. Après, c'est vrai que j'ai réussi à m'envoler sur la fin, mais ça s'est joué à rien. Belle manche, très belle manche. Quel buzz, c'est vraiment. Ouais, dans le doigt, t'arrives à bien rebondir. Vous savez, il y a les Jeux Olympiques bientôt, et comme disait l'autre, l'essentiel, c'est de participer. Voilà. On s'en fout de qui gagne. Moi, je suis pas là pour gagner. Voilà, je suis là pour m'amuser. Bravo, Thomas, quand même. Bravo, Fabrice, surtout moi. Félicitations.